bonsoir à tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis stop. C'est pas grave. Bonsoir, monsieur Look. Oui. Bonsoir, le chronique. Yes, oui, Yonel Jospin. Oui. Tout à fait. Yes, oui, voyante astronome. Ah oui. Et yes, oui, j'étais voyante le jour où j'étais sur l'autoroute. Oui. Tranquille, je roulais dans Velsatis et j'ai eu deux flashs. Deux gros flashs. Et là, je suis dit, Yonel, tu es voyante, tu dois faire le don du flash. Bonsoir. Alors, vous travaillez sur quel support? Oh, différence. N'importe, moi je peux faire, je peux lire dans tarot, je peux lire belote, bataille, kilo de merde, je peux lire jeu de cette famille, peu importe. Je suis aussi boulogue. Quoi? Boulogue. Boulogue. Je lis dans les boules. Je lis, oui, boulogue, je lis dans boule de cristal, dans boule de pétanque, boule de Noël. Tu m'amènes les boules, je lis dans tes boules. Ah oui. Et alors, bien sûr, boulogue. Et là aussi vous lisez dans... Non, ça je l'enlève. En revanche, non, je lis dans le trou de balle. Ah oui, non, pas qu'est-ce que tu crois. Non, le trou de balle, je prends balle de tennis, oui. Je fais trou et je vois. Dans de là, je vois blague de merde. Hein, je vois mauvais jeu de mots, ouais, ouais, ouais. Je voulais tout bon, ça. Donc je vous vois. Êtes un peu devin, est-ce qu'on dit devine d'ailleurs, médium en tout cas. Un peu de vin, on dit oui. Je oui, toujours un peu de vin, un peu de fromage avant la séance. Non, mais comme ça, c'est convivial. Comme ça, les gens se sentent chez moi. D'ailleurs, c'est chez moi. Ah, je suis un peu radiologue aussi. Ah oui? Radiologue, oui. J'écoute les informations de radio et après, je synthèse. Ah, vous synthésez? Ah, je suis capable de dire tout ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Par exemple, c'est là? C'est le flash info. Le flash info. Oh, ça valait le coup de l'attendre. Ah oui, ça, c'est la bonne blague. Bien sûr, oh non, pardon. Par exemple, oui. On a essayé avec Monsieur Raffarin. Monsieur Raffarin, on chante. Vous, Madame Jospin, est-ce que... Non, non, Jospin, Jospin. Jospin. Oui, Younel. Youna, Younel, ce que vous voulez. Est-ce que vous seriez capable de faire une petite voyance en direct, bien là? Sûr. Ah. Attends, je me concentre. Oh, je vois. Alors, je vois, je vais vous dire. Non, là, je vois rien parce que les yeux fermés. Mais je peux sentir. Ah, par exemple, ouais. Je sens toi chaud, hein, grosse chaleur. Oui. Mais je sens, je peux lire dans les esprits. Ah. Oui, je lis esprit. Par exemple, là, je vois rien. Mademoiselle, là, je vois rien. Madame, oh là, je vois esprit colère. Esprit hein, colère. La colère. Là, pour madame, je vois une vie paisible. Tranquille, motro, boulot, dodo, tranquille. Pas de soucis, là. Ah, mais je vois si je vois augmentation pour collaboratrice. Ah oui? Oui, petite brune avec perruque de merde. Oui. Je vois gros cachet. Énorme cachet. Revenons à notre sujet du jour, oui, puisque M. Raffarin dit souffrir de son homonymie avec le Premier ministre. Est-ce que vous, Madame Yonel Jospin, Madame Yonel Jospin, je ne sais pas moi... Démerdez-vous, vous avez le test. Non, je vais vous dire, moi... Est-ce que vous souffrez? Je ne souffre pas du tout de mon homonymie, personne ne téléphone. Ah non, là, tout le monde oubliait Yonel Jospin, alors là, moi, je suis tranquille. Ah oui? D'ailleurs, j'assume pleinement... là, je change de personnage, là, directement. Faites voir qu'est-ce qu'il a dit. Ah oui, j'assume pleinement les responsabilités de cet échec et je tire les conclusions en me retirant de la vie médiumnique. Voilà, dorénavant, vous pourrez me consulter dans ma villa à l'île dorée. Florence Foresti. We'll be right back.